Et là, il faut que je parle. Eh oui. Ah mince. Je suis Vanessa Py et je suis archéologue de la forêt. Action. Alors, mon travail consiste à retrouver les traces des activités humaines qui sont très souvent dissimulées sous le couvert forestier actuel. Pour caractériser les forêts disparues, j'étudie les traces, qui sont le plus souvent des charbons de bois ou des bois gorgés d'eau, voire fossiles. Mes recherches actuelles s'intéressent aux vieilles forêts, qui sont souvent considérées comme vierges ou primaires, c'est-à-dire inexploitées depuis la fin de la dernière glaciation. Ces forêts dominaient l'Europe tempérée il y a environ 7000 ans, au moment du maximum forestier. Et aujourd'hui, elles ne représentent plus que 3% de la couverture forestière totale en Europe et 0,1% en France. Cet état de fait est très embêtant. C'est préoccupant, car ces forêts contiennent une biodiversité exceptionnelle. Elles capturent de grandes quantités de carbone et sont capables d'atténuer localement les effets du changement climatique. Alors dans le charbon, tout est bon. Déjà, il a la capacité à se conserver pendant plusieurs millénaires et à garder sa structure anatomique, ce qui nous permet, à partir de l'analyse microscopique de ces structures, de retrouver les essences qui composaient les forêts du passé. Et même, on peut reconstituer les pratiques des sociétés qui les ont exploitées. Alors, les principales découvertes que nous avons faites, c'est que ces forêts qu'on croyait intactes n'ont pas été épargnées par les activités humaines. Et les plus anciennes traces remontent à l'âge du bronze ancien, c'est-à-dire il y a environ 4000 ans. Les activités humaines, les prélèvements pour le bois, ont modifié la structure, la composition de ces forêts. Et certaines essences qu'on devrait retrouver en abondance, comme l'if dans les traies sapinières, ont totalement disparu. Ces recherches sur les forêts du passé visent à informer la gestion actuelle pour les forêts du futur. Par exemple, nos travaux ont démontré qu'en réduisant les prélèvements de bois, mais également qu'en conservant des éléments anciens dans les parties exploitées, rendaient les forêts plus résilientes et permettaient de conserver une riche biodiversité. Je fais ce métier parce qu'il me permet d'allier mon goût pour la forêt et mon insatiable désir de connaître. Je suis tout particulièrement fascinée par leur incroyable capacité d'adaptation, y compris pendant les heures les plus sombres de leur histoire. Posture de l'arbre. Couper.